KJOY 1280. It's Y102.9 Music Radio W. Classic Hits. Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes au gala de boxe de Sedan, à Fresnoy exactement, à la salle Omnisport. Nous avons passé des extraits jusqu'à maintenant et nous continuons à vous présenter des extraits. Et tout particulièrement, eh bien, il y avait deux matchs professionnels qui concernait les Ardennais, c'est Patrick Bois Junior et l'Ardennaise, donc Justine Lallemand. Justine Lallemand qui a fait match nul par rapport à vis-à-vis de la Serbe Slikovic. Il faut savoir que c'était très accroché, c'était très très bon. L'Ardennaise en avait encore sous le pied, ou sous les gants, pourrait-on dire. Elle a pu s'en sortir haut la main en faisant match nul. Et puis alors, il y a la vedette de tous les Sedanais et les Ardennais, qui est Patrick Bois Junior, qui est arrivé à prendre le dessus sur le Géorgien Kugazian, qui s'est quand même très bien battu, mais qui n'a pas été à même de dominer Patrick Bois, qui véritablement est une certitude dans l'évolution de sa carrière et de sa bonification en qualité de joueur. Il est de plus en plus complet et véritablement, je pense qu'il ira loin, étant donné qu'il s'est donné un esprit de bagarre, de batailleur, d'accrocheur, et il ne s'en laisse pas compter. On voit vraiment une énergie extraordinaire. Voilà, on a fait le tour de tous les matchs de manière rapide, parce que ça a commencé aujourd'hui à 19h, ça s'est terminé à 1h du matin, on ne pouvait pas vous retransmettre l'intégralité des matchs, et on peut dire que le match de Justine Lallemand et de Patrick Bois sont des valeurs sûres pour la défense de l'intérêt des Ardennais en matière de boxe.